nous sommes de retour en Indécouverte. T'as fini le jeu de Weeb là sur lequel t'étais? Je sais plus c'était quoi. L'anglais jeune. Voilà. Bienvenue dans ce nouveau Indécouverte. Dans ce nouveau menu Indécouverte sur. Oh là là, c'est la pire intro d'Indécouverte que j'ai pu faire. À la limite, faudrait que je la relance, mais flemme. On est sur Saga of Veil, petit jeu d'aventure en 2D side-scrolling, en pixel art, avec un style de combat très proche de Soul-like, donc plus d'un style un peu à la Blasphemous. C'est un jeu solo, disponible depuis le 9 décembre 2023. Oula, attendez. Attendez. On est d'accord, j'ai pas d'embargo. Il n'est... Attends. Non, j'ai bientôt fini, normalement dans un ou deux lives je l'ai fini. Ah d'accord, donc tu prépares la suite, ouais. Attendez. Saga of Veil. Est-ce qu'il y a un embargo? You find the detail, nanana, I accept no. Ok, non, il n'y a pas d'embargo. Ok, donc c'est bon, tout va bien. Donc c'est développé par Pixel Clo. Donc le jeu n'est pas encore sorti, j'ai pas le prix, je peux pas vous dire exactement comment ça va se passer. Pixel Clou qui n'a l'air d'avoir fait que ça, et c'est édité par Crescent Moongain, qu'on remercie pour m'avoir envoyé une clé qui a fait Subdivision Tepini, Neo Dory Forever, Clash of Puppets. Ah, Clash of Puppets, je crois, c'était un jeu qui m'intéressait. Beyond This Side, pareil, ça. Oh là, derrière, a l'air sympa, je vais rajouter ça à ma liste de souhaits. Voilà, pas grand chose. Embargo. Ouais, tu sais pas, c'est quoi un embargo? Langue FR retourner. L'embargo, s'il y a un embargo, en fait, quand je reçois une clé sur un jeu, si le jeu est pas sorti, il y a un embargo, il y a un embargo de création de en termes maritimes. Oui, non, mais non. Ça veut dire que tu ne peux pas. En fait, t'es pas, quand t'as un embargo avec une date sur un jeu pour un test, t'es pas censé faire de test, que ça soit en live ou le sortir avant une date que t'as donné l'éditeur. Ou le producteur, ça vaut aussi pour tout ce qui est test électronique, de console ou de jeux vidéo. Genre, tu te demandes pourquoi il y a des tests de jeux vidéo qui sortent le jour même, parce que c'est, le jeu ils l'ont depuis longtemps et en fait ils ont déjà tout fait, ils ont déjà tourné la vidéo, c'est juste que l'éditeur a dit oui, vous pouvez pas le mettre avant la sortie de machin. Voilà, c'est ça un embargo. Là j'ai pas d'embargo, le jeu est pas encore sorti, on va partir tout de suite. Attends, est-ce que j'ai mis en français? Normalement c'est bon. Donc la DA avait somme toute très charmante. Captain, debout soldat Ginger. Aujourd'hui vous devenez un aventurier. Oh, ouais, non mais pff, y'a rien qui va. Hein. On voit rien. Non, c'est vrai. La capture de jeu qui veut pas se faire. Hein. Ça ne marche plus. Capturer une fenêtre en plein écran. Non, on voit rien. Vas-y, ta gueule, putain. Bon, bah, on est en capture d'écran encore. Vous devenez un aventurier, tu vas rencontrer toutes sortes de créatures fascinantes et tuer. Je vais t'apprendre comment faire quand je te dis sauter ou tu appuies sur l'espace ou L1. Maintenant, sauter. Bien, maintenant, appuyez sur A pour courir. Maintenant, appuyez sur J et frappez ce morceau de paille là-bas. Ah, ok. Item, c'est avec Y. Ok. Alors, attendez. Waouh. Comment ça, je contrôle les trucs avec... ok. Contrôle, ok. Rouler, sauter, RB, sauter, accroutir, bloquer, X carré, ok. Un peu le bordel, non. Ginger, pourquoi tu lis au milieu de ton entraînement? MDR, je me fais engueuler. Waouh, vous venez de toucher une cible immobile, fascinant. Maintenant, prouve ton talent une fois de plus et tire sur la cible, appuie sur L. Ah, je l'ai pas vu, vous avez tiré? Vous devez juste regarder avec cette flèche. Quoi que ça, c'est mon bon travail, maintenant fais un jet de victoire. Un jet de victoire, appuyez sur Shift ou R1. Le rouleau vous rend presque invincible. Le rouleau. Fais un rouleau! On dirait des contrôles pour gaucher, mais parfois il n'y a pas assez de place à appuyer sur K maintenant. Maintenez-le enfoncé pour lever votre bouclier. Maintenant pour ne pas sur K. Vous venez de subir un préjudice émotionnel. Quoi? Aucun bouclier ne peut arrêter cela.
Certains ennemis s'en sortiront aussi, quoi. Récupérer en mangeant une pomme, appuyez sur I pour ouvrir votre inventaire. Ok. Voilà, c'est bon. Le plus célèbre des moyens de dissuasion des médecins, une pomme. Un jour, vous vous périrez après avoir consommé 10 pommes d'affier. Croyez-moi, vous pouvez vous déplacer sur des échelles avec W et S, mais je ne vais pas tirer l'une d'entre elles au milieu des bois, alors appuyez simplement sur E ou L2 pour continuer. L2, ok. Enfin, vous pouvez vous accomplir avec C. Cela vous permet de récupérer de l'endurance plus rapidement et en cas de doute, bouger à droite jusqu'à ce que le monde devienne noir. Maintenant, imaginez que vous êtes dans le doute et bougez. Quoi ? Alors, attends. Mais je peux pas me crunch là-dessus, là. J'ai pas assez de touches. Bougez à droite jusqu'à ce que le monde devienne noir. Maintenant, imaginez que vous êtes dans le doute et bougez. Mais comment je m'accroupis ? Volver à la menu. Non. Ah non, je refais tout là. Oh là là. Ouais, le dégât aussi émotionnel. Oui, j'ai pas flèche limitée. Ah ouais, quel plaisir. Ah, je peux m'accroupir en allant... Ok, d'accord. Ok. Non, juste en appuyant longtemps, ça allait. Non mais mon épée, elle est minuscule. C'est de la merde. C'est quoi ce topinel là? Il y a bien longtemps, lorsque toutes les forêts étaient enchantées et que toutes les demoiselles étaient en détresse, vivait un homme nommé Bob. Non, attendez, Bob n'est pas assez fantaisiste. Un homme nommé Whale. Whale est un homme aux multiples vertus, et c'est grâce à ses vertus qu'il fait la cour à la plus belle des jeunes filles, Isabella. Du moins pour lui, c'était la plus belle de toutes, car un cœur aimant a tendance à affecter les yeux. Whale gagnait sa vie en parcourant le monde, en utilisant son épée pour que les gens lui donnent de l'argent. En d'autres termes, c'était un aventurier. Pour certains, c'était même un héros. Ouais, il avait le potentiel pour devenir le plus grand héros jamais connu, mais Isabella voulait qu'il devienne un mari ordinaire. Ouais, il a d'abord résisté, puis il accepta de rester dans le village d'Isabella. Il vendit tout son équipement d'aventurier, devient chauve et large de taille à partir du sédentaire, et a fini par entendre qu'il n'était pas l'homme dont Isabella en tombait amoureuse tous les jours. Non, attendez, c'est trop tôt pour l'instant. Ouais, il est simplement venu rencontrer sa bien-aimée et l'a demandé officiellement en mariage. D'accord. Ta typo est à chier, mec. Moi, c'est une typo pixel art basique, quoi. Ginger, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es ici pour faire quoi? Ginger. Mes condoléances, je veux dire félicitations. C'est drôle. Cette blague, quoi. Cette blague que les gens font, des gens mariés. Ah ouais, c'est ton enterrement. C'est condoléances, ça. Hein. Oh, félicitations. Ta gueule. Parce que ta vie est triste que tu dois dégoûter celle des autres. Hein. Comment je saute? J'ai l'impression d'être dans Tintin. Moi je le dis premier degré en général. Oui bah c'est pas agréable. Alors moi un pote il me fait ça à mon mariage, je dis vas-y casse-toi. Casse-toi, c'est le jour le plus heureux de ma vie et toi tu viens foutre une ambiance de merde, casse-toi. Vraiment les réflexions à la con comme ça. Ou sinon je lui dis pas casse-toi mais je lui parle plus de la soirée, tu vois. Vraiment quand tes potes sont amoureux, bah ils ont fait le choix de se marier, ça a l'air heureux, faut être content pour eux, tu vois. Sauf si... Bonjour jeune homme, si vous voulez acheter de la nourriture, vous devez demander à Marie, elle achète tout dès que je le fais. Elle paye bien, je n'ose même pas imaginer la marge bénéficiaire à laquelle elle te vendra la nourriture. Sauf si, bien sûr, la mariée, je la considère comme un démon. Et ouais, tu n'aurais pas besoin d'une armure par hasard, moi aussi, fais-moi savoir si tu trouves quelqu'un qui en vend. Ah ah!
Genre, vous avez pas de forgeron ici Il y avait vraiment besoin d'un... Oh non, non, c'est bien. Une pomme. Non. Non, comment je saute, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Oh, un donut. Donut. Je peux pas descendre. Du coup, t'as souvent été invité au mariage chez le GK? Bonjour, ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous voulez acheter quelque chose? Bah, j'ai pas de thune, mais oui, si tu veux. C'est tout ça, coup de vin. Ah ouais, non, mais je vais rien acheter. Hein. Ah! Et ça, tu les vends pas, ça? Moi, je comprends pas. Ça, c'est à vendre. Ça, c'est à acheter. Ok, ça, c'est ce que je pourrais vendre. L, D, L, D, ok D, elle est même pas la trad, la pomme, elle s'appelle toujours Apple, c'est peut-être un type de pomme Apple. Je me suis fatigué moi-même tellement c'était débile. Regardez, il y a un coffre en haut. Putain, je viens de gâcher une flèche, j'ai envie de mourir. Comment je saute, mais vraiment, la touche de saut autre ailleurs que sur le A, c'est débile. Je suis désolé. Ta touche d'action, tu les mets sur les gâchettes. C'est quoi c'est... On peut changer ça? Non, on peut même pas changer. Ouais, le saut sur la gâchette, c'est tellement... C'est contre-intuitif de ouf. Pourquoi vous essayez de changer des trucs comme ça, les gens, quand vous faites des jeux indés, là, quand c'est votre premier jeu? Pourquoi vous faites ça? Oh. Et puis la touche de validation sur LT. Qu'est-ce que... T'as 4 touches là, hein. Il y a 4 touches là. Pourquoi tu mets tes 4 touches là? Vraiment, je suis désolé, je rage, mais... C'est très joli, hein. Bonjour, ouais. Je crois qu'Isabella est allée voir notre ermite de la forêt. Au fait, il m'a promis des graines. Peux-tu les prendre pour moi? Oui, bah oui, j'ai l'impression que je suis le bug de tout le monde. Tout le monde me parle mal. Tout le monde me prend pour son bug. C'est un plaisir. Oh, des flèches. Oui, c'est vrai qu'aucun mot en fait n'est traduit quand tu trouves un objet. Il a oublié. Mais même là, LT Open, en fait, il y a que le tuto. Il y a rien qui est traduit à part les dialogues. Rose, I read. If only I could dream too. Ok, il savait pas comment le traduire ça. C'est la hype pomme. Oui, j'ai eu, attendez, réflexe. Bonne journée, ouais. Ah, vous avez l'intention de vivre ici, c'est merveilleux. Je suis sûr que vous pourrez être ami avec mon mari. C'est lui aussi un aventurier. Ah bon, j'étais aventurier comme toi, mais ensuite, peut-être une autre fois. Oui, oui, on va connaître la blague. Vous voulez un verre? Non, alors pourquoi es-tu venu ici? Ils sont bizarres, les cuissons. Hein. Oh, chaque... Non, le soleil est vraiment brillant aujourd'hui. Bonne journée à toi, aventurier. Comment puis-je savoir que vous en êtes un? Ben disons que je le vois dans vos yeux, l'épée le montre aussi. Je peux pas m'en rentrer là-dedans. Non mais il est long ce village. Ouais, il est... Isabella est partie dans la forêt, elle ne devrait pas... Ouais, bah les couilles. Non mais en plus le saut, il est ridicule as fuck. Un petit saut, j'ai vraiment l'impression... J'aime bien le style du marchand. J'aime bien... Je suis bloqué. Vraiment? Vraiment mon ref? Vraiment? Vraiment parce que vous êtes des branleurs? Oh là là. Ils ont mis une touche de retour au cas où tu es trop débile. Parce
Est-ce que j'ai gardé tout ce que j'avais au moins ou je vais Ouais, j'ai l'impression que j'ai tout ce que j'ai trouvé. 4, 4, 19, ouais. Vous êtes tellement des bons là, vous avez fait une touche pour vous débug MDR, un jeu digne d'un programme. Je crois que l'appartement est à 100 mètres du très bon resto asiatique. Oh, le truc où on avait mangé du katsudon là. Oui, exactement. Trop bien. On va manger du katsudon tous les jours. Ça, j'ai faim. On est pas loin du quick. Ah. Ah oh bah on est très central quoi. Donc ici on ne remonte pas. Parce que c'est de la merde. Jeune homme, il y a une plus grande importance que je ne sois pas dérangé. Nous pourrons parler plus tard mais pas maintenant. Donc le midi katsudon, le soir quick quoi. Enfin, je vais encore prendre 15 kilos quoi. On peut le nourrir mais on peut pas le caresser, c'est un jeu de merde. Comment on saute? Comment on saute? Putain. Je suis rebloqué. C'est difficile, bande de connards, de tester vos jeux avant de les lancer là. Oh, c'est laborieux. Et en plus, je reviens tout en arrière. En plus, ils te mettent un coffre, donc t'es obligé d'être vraiment. Je faisais 3 mètres de plus. Je sais même plus où j'en étais, c'était cette maison-là. Perso, je leur rends les clés, c'est pas jouable. Moi, je joue à coder avec la bitume. Tout l'intérêt, c'est que j'y joue entièrement, que je souffre pendant 45 minutes et je leur dis bah écoutez, les gars, votre jeu, il est pas vendable. Je reconnais un boucher quand j'en vois un. La vie au village n'est pas faite pour toi, mon fils. Tu peux lui mentir, mais ne mens pas à toi-même. Des flèches. Je peux pas rendre la clé de toute façon. La clé est utilisée. Moi, tu peux pas. Ah non, c'est quand ils chantent, ils traduisent pas. I did all for my all for you. What the fuck? Use A, D, left, C, D, 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 D. Bon là c'est... Alors c'est comment? J'aime bien comment le shield apparaît sur mon bras. Comment j'esquive déjà? Je vois, ça parle vraiment dans leur description, ils ont dit ouais des éléments à Dark Souls, j'attends, hein, je vois pas de, on n'a pas vu de feu, c'est juste un système de niveau, oh là là. Speedrun. Voilà. C'est bien d'utiliser le nom Dark Souls, c'est mieux de le respecter un peu quoi. L'animation est trop longue.
T'as pas vu, il y a une roulette des vaisseaux de merde, c'est un élément de Dark Souls, ouais, incroyable. C'est vraiment, vraiment les gens qui parlent de Dark Souls en disant « Ouais, non mais c'est trop nul. » C'est vraiment... Un mec qui s'est dit « Ouais, mais moi je vais faire mon Dark Souls à moi, tu vois. Et je vais montrer à quel point c'est nul. » Moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. C'est vraiment... Oh là là. Il n'y a pas de fiole d'estu, c'est bon, t'as... c'est pas parce que tu mets 2-3 créatures un peu... Oh, les contrôles. Même se balader dans les menus, c'est un calvaire. Ah ouais, je repère ce que j'avais... Tu vois, genre... Ça me coûte rien, quoi, de faire ça. Oh, puis jump à la gâchette. C'est quoi, la... Ah oui, c'est ça. Ok. Oh, le saut, il est nul. Mets pas de saut à ce compte-là. Et puis je me trompe pour tout, vraiment. Appuyer sur A pour se battre. Ah, puis là je fais rien, hein. j'ai pas besoin de... Dès que je le shot, je comprends la douleur de quand il fait des jeux de merde. Donc vraiment là j'ai l'impression... Il y a un mood très jeu infogramme. Hein. C'est beau, mais putain qu'est-ce que la maniabilité est nulle quoi. Mais moi la majorité des jeux qu'a fait JDG, je les ai fait. Hein. Oh putain. Et bon des fois il exagère un peu en vrai. Voilà. Même Tintin au Tibet c'était mieux, non t'as pas joué à Tintin au Tibet. En fait la difficulté de Tintin au Tibet c'est que tu meurs, tu recommences à zéro quoi. Donc non, là ça va, tu recommences pas à zéro. Mais c'est quand même insupportable. Être de mauvaise foi. Je combats la mauvaise foi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, putain! En plus, le loop est random. Ah, j'ai même pas fait gaffe. En fait, c'est juste que un tableau, c'est un feu de camp, quoi. Au secours. Je crois que Tixi l'a testé. Je suis très curieux d'avoir son avis sur ce jeu. C'était pomme, potion, flèche. Ah, la touche de saut. Ah, la touche de saut, c'est de la merde. Ah, parce que les tonneaux, ils se cassent. Et il y a des trucs dedans. C'est bien de le dire, bande de connards. Parce que ça a l'air d'être des sprites de déco en fait ça. Oh là 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 là, j'ai envie de vous tuer. Il y a un truc qui a essayé de me champignonner à la gueule là. Ah c'est toi en fait. Restore 2 HP, ouais. Hello, ah ouais. La traduction, oui, mais juste pour le premier niveau. J'ai pas compris. Des graines, tu vois, ces fleurs affamées étaient autrefois des graines et c'est une longue histoire. Je vous succère de récolter la pie, même la plupart du temps. De quoi tu causes? Qu'est-ce que... Y a pas de fleurs. Ça a été Google Trad. Ouais, ouais, mais quand ça a été Google Trad, tu peux essayer de déceler, là. Là, je pense que ça a pas été Google Trad.
Je pense qu'il y a un vrai trad derrière. Je pense juste que le trad était nul. Est-ce que je peux même pas baisser la caméra, donc je sais pas s'il y a un truc en bas. Vas-y. Ouais, il y a de l'eau. J'allais sauter sur A. J'ai essayé de sauter avec A. En plus, pour l'instant, les ennemis sont tous plus bas que mon arc. Donc l'arc ne sert à rien pour attaquer à distance. Je pense que le mec, il a pas trahi son jeu, vraiment. J'attends le côté Dark Souls. Hein. La roulade elle me sert à rien pour l'instant. Je ne vois toujours pas ce qu'il y a en dessous. Bah voilà, je sais qu'il n'y a rien en dessous en fait. C'est de la merde. Pas trad, hein, c'est sûr. Non. Au moins le jeu est beau. Oui, au moins le jeu est beau. Voilà. Wow. Vraiment les gens de Starfield, tu vois, qui sont en mode. Mais regardez, il y a les gens, il y a les groupes. Alors sur Facebook toujours, mais des groupes sur Facebook qui sont. Et donc on te propose des groupes parce que t'es intéressé par certains trucs, donc des groupes random. Et les groupes Starfield, c'est une dinguerie comment les mecs, ils sont trop dans la délue, quoi. C'est... déjà, ils ont le seum... déjà, ils ont le seum parce qu'ils sont pas nommés GOTY. Excuse-moi. Mais ton jeu, il mérite pas... Mais en vrai, Alan Wake, il mérite pas... En fait, c'est une œuvre ultra intéressante, mais avec un gameplay nul. Et les gars, il y a un mec qui traîne sur ces groupes où ils prennent la photo d'un sandwich dans Cyberpunk et la photo d'un sandwich dans Starfield. Et c'est en mode un jeu qui a été développé à la sortie et en montrant le sandwich dans Starfield. Et l'autre, il y a marqué un jeu après 3 ans de patch régulier, nanani nananer. Donc le sandwich est moins beau. Et les mecs ils sont en mode ouais non mais je comprends pas, les gens ils sont fous. Mais les refs, Cyberpunk, les campagnes elles sont bien en fait. Le gameplay il est incroyable. Starfield c'est pas ouf. C'est waouh, c'est en plus c'est partiellement beau. C'est beau ouais. Mais un jeu en fait faut que ça soit ludique avant d'être beau quoi. C'est... Voilà, ou un scénario, tu vois. Starfield, c'est Skyrim dans l'espace, mais moins libre. Moi, ouais, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est insulter Skyrim. Mais il est bien. Dans une certaine mesure, il est bien. Mais si tu le compares à des jeux comme Skyrim ou Fallout, c'est de la merde. C'est vide, l'histoire est pas accrochante, l'univers est pas ouf. Il y a plein de trucs qui vont pas, mais il y a des trucs intéressants. En vrai, c'est un jeu que je me ferais bien, tu vois. Mais c'est pas un jeu où je sais, genre... Faut être oui ça doit être fun à jouer. Mais faut être legit dans sa tête. C'est que bah y a plein de jeux qui sont mieux que Starfield en fait actuellement. Et des jeux qui sont sortis avant Starfield. C'est ça, c'est... Y a une délue totale de la part des fans de Starfield. Mais de toute façon les fans d'éditeurs déjà y a un problème. C'est qu'ils sont fans d'éditeurs quoi, déjà. Alors, tu vois les fans de Bethesda c'est vraiment... Les mecs, ils ont tellement été habitués à ce qu'on leur sorte des jeux bourrés de bugs qui sont en mode « Ouais, mais un jeu Bethesda, qui a pas de bugs, c'est pas un jeu Bethesda. » En fait, on n'est pas obligé de souffrir quand un jeu en sort. Et en 2023, ça serait bien de passer à autre chose, quoi. Genre, de faire des jeux qui tiennent la route. Ça peut être pas mal, tu vois. C'est pas parce que ton studio de développement, il a toujours été réputé pour...
pour sortir des jeux buggés qu'il faut continuer à sortir des jeux buggés, tu vois. Peut-être que genre au début c'était drôle et tout, c'était oh là là là. Mais vous avez un problème les gens. J'ai peur que les deux grosses soient comme ça, ils attendent juste que tout se capte sans l'annoncer et sans bonne annonce, mais ils ont rien fait sur ce... Ils ont rien fait, mais c'est différent parce que, en fait, le problème de Starfield, c'est que c'était une bonne idée, mais ils ont pas travaillé le lore et l'univers comme ils auraient travaillé pour Skyrim, en fait. C'est ça le problème, en fait, de Starfield aussi, déjà, au niveau de tout ce qui est histoire. L'avantage de Skyrim, c'est que déjà, derrière, il y a un univers avec du lore, avec des bases. Là, ils partaient à zéro. Donc, ils avaient une chance de créer un nouveau truc, mais ils l'ont fait qu'à moitié. Comment, regarde, ça c'est mon saut. Ça c'est mon saut. Donc mon saut, donc là on voit ma souris. Déjà on voit ma souris, je pense. Mon saut s'arrête là quoi. De hauteur de pied, je saute à là. Comment tu veux que je devine? Vraiment. C'est les plateformes d'avant, à m'arriver à là, les plateformes sur lesquelles j'ai buté tout à l'heure. Elle m'arrivait à là et j'arrivais pas à les choper. Tu sautes un champignon de haut. Ah oh, cool, des flèches que je vais pas utiliser parce que tous les ennemis sont trop petits. C'est de la lutte totale. Pas utiliser de bouclier en plus. N'est pas Blasphemous ce qu'il veut hein. Oh, il y avait rien derrière. Regarde, je peux pas les atteindre avec les flèches. C'est nul, putain. Ça redonne tout mes PV, bah fuck hein. Il y avait quoi là-dedans déjà? Une clé. C'est pas du tout la même. Mais what the fuck? C'est quoi ces coffres à loot aléatoire? Qui fait ça, quoi? Ça essaie d'être concept, mais c'est débile. C'est waouh. Même Dark Souls, ils font pas ça. Hein. Dark Souls, t'as les emplacements de coffres. Est-ce que tu trouves de doux? Ça change pas. Et pourtant, c'est un des jeux maître étalon de ce que t'essaies de faire. Et que tu prends en exemple. C'est ouf d'avoir un jeu aussi beau et tout roté à côté quoi. C'est très joli hein, franchement c'est très chatoyant, il y a un vrai style graphique et tout mais... Je vais que à droite sans regarder vraiment mes points de vie ou quoi que ce soit. Et si je meurs à un moment je m'en apercevrai même pas. Sûrement un fan de Starfield qui a mis tout le budget dans le Switch, mais rien dans l'or. Bah, c'est un peu l'impression que j'ai. Non, mais en plus, c'est faux. C'est faux. Il y a du lore. C'est juste que l'or est nul dans Starfield, quoi. Il est pas. Tu vois, la confrérie de l'acier, quand tu joues un Fallout, t'es en mode ok, d'accord, les gars. Voilà. C'est les confréries dans Fallout, t'es en mode. Tu vois, déjà Fallout 76 sans la confrérie de l'acier. En fait, depuis Fallout 76, ils ont compris qu'ils pouvaient vendre un jeu sans avoir un travail derrière au niveau de l'univers. Juste en se branlant la nuit. Ça, c'est un passage secret. La roulade, elle est là pour faire la déco. Hein. Pareil, l'endu... Ouais, l'endu, mes coups d'épée ne donnent pas d'endu, c'est nul, t'as retiré ça. Le bouclier utilise de l'endu, mais les coups d'épée ils donnent pas d'endu. Vous êtes des débiles. Ah, en fait, si je dois suivre leur logique. Ça fait combien de temps? 34 minutes on joue? Ah ouais, ça fait pas longtemps. Hein.
J'ai envie de canner. Ça qui met en sortant d'un tableau, tu quittes le jeu. Qui fait ça sans prévenir? Qui fait ça? C'est quoi ce à quoi sert la touche retourne? Je vais attends, je vais aller au bout. Non, mais à ce niveau là on va créer une chaîne JDI, joueur de jeu indé. Ouais, JDI. Ah non, c'est pas, c'est joueur de jeu indé, c'est à dire tout le monde. Joueur du grenier, il y a un truc catchy. Non, il faudrait un joueur. Un joueur du marché, tu vois. Un truc qu'il faudrait. Qui sonne indé, mais qui sonne pas indé. Donc. Je reprends au début, là. Je suis en train de reprendre au début. On est d'accord. Je c'est pas moi qui est. Je reprends du début là. C'est quoi cette dinguerie? Putain. Allez, on va arrêter le massacre. Hein. On va arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est. Bah j'ai déjà tout dit en fait durant le test. C'est quoi qui a fait ça? Revoyez vos bases. En fait, avant de faire du jeu vidéo, les gars, faut apprendre comment ça marche un jeu vidéo. Comment ça marche, pourquoi il y a un système de... C'est... Arc 15 sur 20, gameplay 3 sur 20. Non. Vraiment, je suis désolé. J'aime pas cracher sur les petits jeux indés et tout. Surtout que ça a l'air d'être votre premier jeu, mais... Retournez en école de développement, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais il y a clairement... Vous avez un problème. Donc là, vous juste, je le redis. Donc là, les 4 touches qui sont là, normalement, que tout le monde utilise de la même manière, quasiment, à part peut-être les Japonais qui inversent le A et le B. Vous avez dit... Ah bah tiens, on va faire un truc, ça va être sur les gâchettes. Tout le monde s'est accordé à dire, dans le monde, en fait, au niveau du développement, que... Les touches de que les touches gâchettes dans les Dark Souls, hein, principalement Dark Souls ou Blasphemous, les gâchettes sont là pour faire des boutons d'attaque, d'archerie et tout ça. Vous en avez 4 là, vous avez 4 là, vous inversez. Laissez la possibilité d'inverser aux gens sinon. Ok, si vous voulez, faites votre configuration nulle là, mais dans les options, laissez la possibilité aux gens de pouvoir changer ces options nulles. Ah oui, mais vous avez pensé à d'autres systèmes, c'est nul. C'est nul. Le fait d'aller chez le shop avec Y, c'est... Alors Y encore pour le menu, je veux bien et tout. Mais pour le reste, les jumps n'ont aucun sens. Ils sont beaucoup trop petits. Vous faites des petits... Ça donne... Il y a un feedback trop chelou au niveau des jumps. On dirait que ça... Tu fais des petits jumps alors que tu en fais des très longs. Tu fais des petits jumps alors que tu peux atteindre des corniches trop hautes. Par contre... Plus tard, si t'as un système de plateforme, les corniches qui sont au niveau de ta poitrine, si tu te les prends, tu t'accroches pas, tu tombes, c'est débile. Votre truc de retour, là, j'ai cliqué en me disant « Ah, mais ça se trouve, c'est un truc pour reset au tableau. » Non, ça te ramène au village. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vos escaliers, là, qui sont... tu montes et en fait, vous n'avez pas calculé que... Bah, on peut pas redescendre parce que vous n'avez pas rajouté un palier entre les deux escaliers. C'est... Mais vous n'avez pas testé votre jeu. C'est pas possible. Je trouve ça... Je sais pas à combien vous allez le vendre. Mais s'il n'est pas gratuit, c'est une arnaque. C'est très joli. Mais je trouve ça honteux de sortir un jeu dans cet état, en fait, actuellement. Vous avez fait un effort pour la trad et tout, mais il n'y a rien qui va. La touche de retour, je viens de me ken ma partie en fait. Et je n'ai pas envie de reprendre depuis le premier tableau. Parce que vos combats, à côté de ça, ils n'ont aucun charme. Vous avez une touche de roulade, j'ai pas eu à l'utiliser une fois, il n'y a rien qui m'a obligé à utiliser la touche de roulade. Le bouclier, t'as un système d'endurance, mais écoute, t'as pas d'endurance, l'arc, t'as pas d'endurance.
faut que ça soit punitif. Là, je tape en boucle et ça ne sert à rien. Remettez-vous en question sur ce que vous avez comme représentation de Dark Souls. C'est vraiment, ça fait longtemps. Ça me fait chier de taper sur un jeu comme ça où rien ne va. Et tout m'agace. Parce que le jeu est beau. Je trouve ça honteux que le jeu soit aussi beau et que derrière, ça soit aussi nul à prendre en main. Il n'y a rien qui va. Le système de points de vie, le système de combat, le fait que les ennemis soient trop... Le fait que les ennemis soient trop petits pour utiliser l'arc. Mais c'est à ce niveau-là, c'est du troll, en fait. Waouh. Je suis désolé. Merci de m'avoir envoyé la clé. Parce que c'est d'utilité publique de dire aux gens que votre jeu, je suis désolé, il y a plein de trucs à faire. Ne le sortez pas maintenant. C'est pas normal. Le jeu n'est pas jouable actuellement. De cliquer sur le bouton return, ça devrait être le retour de tableau et pas le retour de jeu. Le fait que si j'ai quitté le niveau sans faire exprès, il est où le système de sauvegarde? Il n'y a pas de sauvegarde. Où est le système de sauvegarde? Je ne comprends pas. C'est quoi comme système? J'ai quitté le niveau, je le reprends à zéro. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... Je ne comprends pas... Il y a plein de trucs qui manquent et il suffit d'y jouer 34 minutes pour voir déjà autant de problèmes. Je suis désolé. Donc pour moi, ce n'est pas une recommandation. Ou attendez qu'il soit fini. Peut-être parce qu'il n'est pas fini encore. Ah, peut-être. Alors, peut-être qu'il n'est pas fini. Il n'est pas encore sorti, peut-être qu'il va y avoir des changements, des reworks de certains trucs pour la date initiale qui est dans 3 semaines. Là, actuellement, moi je ne peux pas accepter de dire aux gens « Ouais, claquez votre thune pour ce jeu ». Moi actuellement je dis non. Et dans ces cas-là, tu ne me donnes pas ta clé de merde. Et comment tu peux le savoir en fait, d'avoir ce genre de réflexion? Par contre, c'est complètement con parce que comment je peux savoir que le jeu est nul si j'ai pas le jeu? Je trouve cette réflexion con par contre. Je peux pas savoir que le jeu est nul, je n'ai pas testé le jeu, j'ai pas le jeu. Donc je suis bien obligé d'avoir la clé. Pas toi, eux. Ah, avant, oui, c'est pas faux, oui, d'accord, ok. Oui, tu veux dire par rapport au fait que le jeu est sorti, mais le jeu est pas sorti. En fait, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, le jeu était sorti, en fait. Donc ça se trouve, ils l'ont repoussé, et je suis pas au courant. Attends, je vais voir, ça m'intrigue trop, de toute façon, j'ai encore du temps. Est-ce qu'il y a une actualité ...14 types d'ennemis. Encore un sponsor bugué. Mais non, regarde. Elle bug pas. Elle est juste pas au bon endroit par contre. Ils ont abusé sur... légalement, c'est pas bon ce qu'ils font, Panasonic. C'est trop chaud. C'est réparé. Attendez, je vais... Ouais, je viens de lire un truc qui me crispe. Il y a un... je leur dis, feature cute pixel art graphique. Ça, je n'en veux pas. Sous le combat, sous le like combat with the roll button et stamina. Et vos personnages n'ont aucun intérêt à être esquivés, vu qu'à chaque fois que tu leur donnes un coup, pour l'instant... Tu ne peux... Ils sont stun, donc ils attaquent pas. Donc ils ne représentent aucune menace. Une fois que t'es arrivé à leur cas, t'as pas besoin d'utiliser ton truc de... T'as pas besoin d'utiliser ta roulade. Ta stamina, en donnant un coup... Dans Dark Souls, je suis désolé, tu donnes un coup avec ta stamina, tu donnes 4 coups, t'as plus d'endurance, voilà. Protagonist ou take his quête seriously. Bah on sait pas, comme il a pas de dialogue. Protagonist, advisor ou does not. 14 types d'ennemis. Il y a 14 types d'ennemis. On en a vu 3. On en a vu 1, 2, 3. On a vu les grunts. Ouais, on a vu 3 types d'ennemis. Sur 14. Et les 3, tu peux pas les toucher avec un arc.
Ils sont nuls. 8 zones différentes à explorer. 3 skins différents avec leurs propres habilités. Ah ouais. 2 boss. Il n'y a que 2 boss dans le jeu. Ah ouais. Ça, j'avais pas vu ça. Il y a 2 boss dans le jeu et ensuite ça ose utiliser le terme Soul-like pour désigner. Mais c'est juste pour le système de combat, mais. Aucune importante décision, c'est déjà ça quand tu vois la tranche du jeu. Voilà. Voilà, bah je suis désolé, hein, mais c'est. Je l'ai eu gratos et j'ai l'impression de m'être fait scammer. Hein. Limite, j'ai pas envie de donner de. J'ai pas envie de mettre de VOD. Ça se trouve, je ne publierai pas la VOD. Tellement ça ne mérite pas le coup. Sur ce, je vous fais des gros. Si, parce que les gens doivent savoir. Ouais, si. Sur ce, je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas, les recettes, les cuisines, ferme la porte. Et à bientôt pour. Un prochain jeu meilleur. Merci.